Coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Je sors du boulot, etc. Donc je suis encore en tenue. Je voulais absolument faire cette vidéo tout de suite pour que vous puissiez aller à Carrefour dès demain parce que il y a la semaine de promo beauté, etc. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Il n'y a pas grand chose parce que il y a encore pas mal de choses dans les stocks. Je vous montrerai, etc. Et des fois je trouve aussi. Par exemple, il y a un shampoing que je veux absolument pour ma fille et il n'y avait pas forcément. Et je sais que l'année dernière, il y était chez le docteur, donc voilà, je ne me suis pas précipitée sur certaines choses parce que je sais que chez le docteur, il y aura sûrement d'autres trucs. Bon, bref, j'ai acheté déjà pour commencer pour Naomi les dentifrices, donc que ceux-là soient à la mangue douce, il y avait aussi à la goût fraise, mais il m'en reste à goût fraise et j'ai pas mangue douce donc. Donc j'ai acheté, c'était 1 plus 1 gratuit, donc c'est-à-dire que ça, je l'ai même payé 1,93€, parce que je l'ai même payé 1,93€, et normalement c'est 2€, on paye ça 2€, mais là c'est passé à 1,93€, voilà. Donc j'ai deux fois 2€, donc ça me fait 4 tubes en tout. Ensuite j'ai pris des soins jour Nivea sensitive. Comme ça, donc il y en a un c'est pour peau sensible et un c'est pour peau sensible et sèche. Ça c'est pour moi et mon conjoint parce qu'il aime beaucoup les crèmes et il a la peau sèche et on est un peu sensible, on va dire. Donc ça, j'ai payé le lot 5,07€ le lot. Ensuite, je me suis pris les roquettes, les Gemmes Roquettes. Donc ça, c'était 1 plus 1 gratuit. C'était 6,50€ les deux, du coup. Voilà. Je me suis pris ce déo Nivea. Donc, c'est un anti-transpirant diffusion brume. Je l'ai testé et c'est pas mal, entre guillemets. Il est plutôt bien, voilà. Je pense quand même que c'est un. Comment dire. C'est pas forcément très très utile, mais j'ai l'impression quand même que ça agresse moins. Vous savez, le spray. C'est un. Ouais, c'est vrai que le spray, bah, c'est un spray quoi. C'est. Que là, c'est vrai que c'est plus une brume, ça agresse moins quoi, on va dire. Ensuite, je me suis pris des Optima. Donc là, c'est un auto-bronzant. J'avais jamais vu ça, entre guillemets. Et ça, je l'ai payé combien? Ah, je sais pas combien j'ai payé ça. En gros, ça m'a fait comme si c'était 1 plus 1 parce que j'ai pris aussi celui-ci bronzage et teint soleil. Et c'est marqué que ça, je l'ai payé. C'est marqué que je l'ai payé 5,65€. Remise immédiate 5,66€. Voilà. Et ça, c'était 5,42€. Donc, on va dire que celui-ci était gratuit. C'était gratuit. Voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi des crèmes lavande Carrefour comme ça pour les mains. Donc, ça, c'est au savon de Marseille. J'en ai pris un à l'extrait de coton. J'en ai pris un au pamplemousse que je n'avais jamais testé. Et j'en ai pris un à l'amande, au lait d'amande. Voilà, donc ça c'était 44 centimes. J'ai sauté dessus, un truc de même. J'ai acheté la levure de bière de chez Juvamine. Et là, il était. Je l'ai payé 5,30€ moins 2,65€. Donc à moins 50%. Voilà. Donc ça, quand j'aurai décidé à me relaisser les yeux de pousser, ça m'aidera. J'ai aussi acheté une eau micellaire Barba Gold Bio. Donc ça, pareil, je l'ai payé combien? J'ai payé 3,23€ et remise immédiate 1,30€. Voilà. C'est bien. Ensuite, j'ai acheté les Rexona, là, les déo Rexona. Je les ai eu à 2,30€. Voilà, j'ai voulu tester. D'habitude, je prends du Dove. Mais j'ai envie de tester anti-transparent.
Ensuite, j'ai pris aussi les crèmes solaires Nyxa. Voilà. Donc, pour enfants et adultes, résistent à l'eau, blablabla. Et ça, j'ai payé ça 11 euros, je crois, les deux. Il me semble. Ouais, 11 euros les deux. Et ensuite, je me suis acheté ceci, Aqualine. Donc à la base, je voulais en acheter qu'un. Parce que je ne connais pas. Et puis c'est aussi pour mon conjoint, c'est aide à la perte de poids. Donc voilà. J'en voulais tester un. Hein. Il y a un coaching offert. Et quand j'ai vu, hein, le fait qu'il est très. J'aime beaucoup tout ce qui est marketing, on va dire. Quand j'ai vu ça, Aqualine, pour l'achat de 3 produits Aqualine, recevez votre bouteille d'un litre gratuite. Je me suis dit, c'est plutôt pas mal, j'ai envie. Donc, du coup, j'en ai acheté deux. Deux oranges comme ça. C'est goût agrumes. Je suis pas sûre qu'il va aimer. Mais goût cassis, je suis pas sûre non plus qu'il va aimer. Donc on va voir. Et j'aurai sûrement ma bouteille du coup. Je sais pas si elle est en verre ou en plastique. J'aimerais bien qu'elle soit en verre, mais voilà. Sinon, j'ai aussi acheté une dernière chose. C'est les masques ultra doux de chez Garnier à l'huile d'avocat pour ma fille et au beurre de karité. Parce que c'est pour cheveux très secs ou frisés. Ma fille a les cheveux frisés. Et en ce moment, bah, on se bat beaucoup pour les brosser. Donc j'espère que ça aidera. Parce que la peau mère, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Et c'est ça que je voulais acheter. C'est aussi bah c'est de la marque Garnier. Je voulais aussi le shampoing Garnier comment dire, pour les cheveux frisés, pour les enfants cheveux frisés. Et là, il n'y avait que pour les enfants cheveux normaux. Donc c'est pour ça. Et je sais qu'à Leclerc, l'année dernière, j'avais fait pour les cheveux frisés pour les enfants. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de monter ça tout de suite et puis de vous la poster. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Me voilà pour vous montrer ce qu'il y a dans mes stocks. Alors, vous voyez, j'ai un placard ici. Donc là, je suis munie d'une lampe, d'un autre téléphone et mon iPhone. Hop là, voilà, je ne suis pas sûre que je vais réussir à tout tenir. Oh, tant pis, je vais essayer comme ça. Non, pas comme ça, comme ça. Alors, ici, j'ai tous mes gels douche. Je crois que j'ai deux rangées de gel douche ici. Là, vous voyez, deux rangées de gel douche. Ça va jusqu'au fond. Ensuite, j'ai une rangée de shampoing. J'espère qu'on n'entend pas ma fille. Ma fille qui met pas de dos. Alors qu'elle est censée faire dodo. J'ai voilà, les corps ici. Là, pareil, des beurres corporels. Hop, là, les corps encore. J'ai aussi mes gels intimes ici. Pareil, les corps. Hop, un savon pour les mains. Pour les mains. Puis là, j'ai mes restes mes restes de spray protecteur là, de crème solaire. Là, j'ai mon spray enfant. Juste ici, là, j'ai les brosses à dents en rade de Nao, des mascaras, et puis voilà des rouges à lèvres que je dois peut-être jeter. Là, j'ai le truc de ma chienne. J'ai un déo pour les pieds, etc. Et ici, c'est tout mon carton de dentifrice. J'en ai beaucoup, beaucoup. Et j'ai aussi mes râbes. Mon râbe d'exfoliant pour le visage. Les déos ici. En dessous, j'ai quoi? J'ai encore des gels douche. Là, du savon pour les mains. Le shampoing,
En fait, c'est à peu près tout ce que je voudrais tester là assez récemment. J'ai là tout ce qui est pour mon bain, donc mon. Ça fait de la mousse. Là, c'est du sel de bain. Derrière, j'ai mes shampoings secs, mes trucs pour les bains de bouche. Là, il y a les trucs pour Julien, le rasage. Ici, j'ai tout mon stock de magnésium, de thé vert, guarana, etc. De levure de bière aussi. Mes cotons, d'Oster derrière. Des make-up. Ah, tiens, encore une huile démaquillante. Et là, les crèmes que je teste aussi en ce moment de chez Sienne. Voilà. Et là, j'ai toujours pas rangé ce que je viens d'acheter pour. Que je viens d'acheter. Voilà. J'ai même ça au cas où. Lotion anti-poux que j'avais acheté à Noz. Donc voilà, pour l'instant elle n'a pas de poux, mais j'ai pris ça au cas où que je m'en rends compte un dimanche. Parce que comme le samedi je garde pas du tout Nao, elle est chez la nourrice, etc. Donc si je m'en rends compte le dimanche, j'ai ça dans le pire des cas. Et voilà, donc là vous voyez bien que j'ai beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai pas acheté grand chose à Carrefour. Parce qu'il faut vraiment que je. Parce que on va peut-être déménager, mais ça peut-être c'est peut-être dans sous peu ou dans quelques mois. Mais ouais, j'ai envie de déménager, j'ai envie d'une petite maison avec un petit jardin, etc. Donc on verra bien. Mais voilà, j'essaye de pas trop acheter pour liquider un grand max et pas déménager avec une quantité affolante de gel douche, etc. Voilà, c'est dur de pas craquer pour moi. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.